on fait quoi là? Eh ben, on va parler de la genèse de la vidéo là. Alors cette vidéo, c'est un making-of en fait. J'ai fait très très attention à tous les faux raccords, à essayer de... Non mais on s'en fout ça. Ah. Parle plutôt de pourquoi t'as choisi ce prélude par exemple. Je peux dire que je l'ai choisi juste parce qu'elle est sympa à jouer. Non, ça fait pas assez sérieux pour de la musique classique. Bon. Alors j'ai choisi cette suite parce que elle a été composée en... Non, ça fait quelque temps que je bosse cette suite et tout simplement, sous son apparente simplicité, en fait, il y a plein de petits trucs qui sont délicats et raffinés. Et du coup, dans la vidéo, pourquoi t'as décidé de l'enregistrer une octave au-dessus, en fait ? Pourquoi pas? Et du coup, tu vas enregistrer que le prélude? Non, je pense que ça, je vais enregistrer toute la suite. Après, je suis pas pressé, je pense que je vais prendre le temps, en fait. Et comment s'est passé le tournage? Bon, bah, je suis arrivé. Et là, c'est l'endroit où je vais... Maître. Bon ben voilà, je suis prêt. C'est beau hein. Ça va être avec ça que je vais tourner aujourd'hui. Série de trucs un peu rigolos, un peu débiles, j'ai ce bracelet. C'est un truc que j'avais eu dans un pack de caméra sportive. J'ai jamais utilisé, donc je vais essayer de fixer une caméra dessus et je vais essayer de tenir ma baguette et de jouer avec ça. Je peux pas bouger, c'est infernal. Je peux pas contrôler mes écarts. Tiens, c'est très difficile. Bon, je vais bosser avec ce truc-là, en fait. J'ai toujours eu envie de faire ça, c'est faire un super héros landing. C'est cool. Je sais pas si je vais réussir à faire ça sur ordinateur, enfin, ça me fait marrer. Donc on va faire ça. Oui, dans bac, je sais, c'est pas forcément approprié, mais bon. Et c'est une fin de tournage. Bon bah voilà, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à remballer le matos. Ouh, à la prochaine !